Bonsoir. Ah, bonsoir. Comment ça va? On est reparti ce soir pour Moonlighter. On éteint la musique. Et on passe directement sur le jeu. Et bonsoir, Sui. Comment ça va? 10 jours. Oh, le grincement. Allez, je sais plus du tout où est-ce qu'on en était. Alors, ça va et où? Ouais, écoute, ça va, ça va. Un peu une grosse journée, mais ça va. On se pose. On va chill sur Moonlighter. Tout va bien. Déjà, je vais équiper ça. Ensuite, je vais isoler les objets qui sont marqués en liste de souhaits. Ah, c'était celui-là. C'était ce coffre-là. Ok. Voilà. Et dans le grand coffre, il y a... Ouais. Il n'y a rien qui ait besoin d'aller dans le coffre d'objets en liste de souhaits. De matériaux pour crafter ce qu'il y a en liste de souhaits. En parlant de ça, qu'est-ce qu'on a dans la liste de souhaits? Bandana niveau 4, unique en tissu niveau 4, et les bottes en tissu niveau 4, tiens. Est venu se mettre aussi loin. Ah, j'ai dû l'enregistrer après. Ok. Et ensuite, épée courte royale, lance-tonnerre et arc éclair. Dans tout ça, il n'y a rien qu'on puisse fabriquer. De suite. Peut-être l'arc éclair, un gros peut-être, ou le lance-tonnerre. Mais sinon, pour la tenue, il y a le deuxième, la deuxième compo qu'on connaît même pas, jamais vu. Et pareil pour l'épée courte. Ok. Calendrier. Ça ressemble à quoi là? On est le 22 février. Il y a une quête à faire aujourd'hui. Il y a un objet de quête à rendre. Alors ça continue dans le jeu sous lequel? J'en ai fini. Hein, là. Ah! T'as fini War Tales toi. Et c'est ça. Peux-tu collecter 5 teintures et me les rapporter sous 0 jours? Oui. Ça, c'est aujourd'hui. Non, lol. Ah. Est-ce que t'as fini? Les 5 teintures, est-ce que je les ai? Est-ce que je les ai même? Normalement, oui. Oui, elles sont là. Il faut quoi d'autre? Demain, c'est notre philandre de la forêt. Ça, je crois pas qu'il y en ait. Ouais. Il n'y a pas de note de philandre de la forêt. Et là... Grosse flemme d'aller les chercher. Ah, peut-être là-dedans. Peut-être là-dedans. Non. Non, ça c'est que les objets. Les objets rares. Ok. Donc. La quête du 23, on peut déjà oublier. Ensuite, 5 pierres du désert. Ah tiens, c'est pour Zénon. Pour Zénon. Surtout qu'il y a un DLC qui sort jeudi. Ah oui.
Le je sais plus le nom. J'ai fini à 100%, si fini à voir. Ah, GG! J'ai commencé Legend of Keeper, mais j'accroche pas. J'accroche pas. C'est un genre qu'il faut apprécier. Legend of Keeper. Je ne connais pas. Je vais voir. Legend of Keeper. A l'air d'être particulier. J'aime pas trop que je perde mes troupes. Ah oui, et dungeon. Darkest dungeon. Oui. Ça donne quoi? J'aime bien monter des persos sur 100, 200 heures. Et que si tu les perds après, ça perd un peu en. Enfin, ça annule un peu ce que tu as investi dedans, quoi. Une centaine d'heures sur Darkest. Je suis sur les DLC. Bah là concrètement, est-ce que ça va pas être une journée courte? Adapteur AC. Bobine de tungstène. Ça on va vendre. Un bon métal du désert, oui. Non mais en vrai, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de garder cet objet dans le sac. D'un côté, je vais plutôt le ranger dans ce coffre tout seul. Comme ça, si jamais ça additionne. Enfin, si ça prend d'abord en priorité les deux qui sont là, je vais me retrouver avec deux petites teintures qui sont restées dans un coin, dans un coffre là. Et ça, on va éviter. Mais sinon, pour la pierre du désert, ça va être compliqué comme quête. Enfin, remarque. En vrai, non, pas plus que ça. Enfin, non, en vrai, pas plus que ça parce que ça, c'est aujourd'hui. Ensuite, il y a demain. Où c'est une autre quête. Et les pierres du désert, c'est le jour d'après encore. Donc, là, je fais cette journée de vente. Et cette nuit. Demain dans la journée. Et demain dans la nuit. Je peux aller trois fois en donjon. Ok. Ah oui, les premiers Fire Emblem seraient compliqués pour toi. Non, j'adore les premiers. De quelqu'un. De quelqu'un meurt, c'est définitif pourtant, non? Non de... Tu vois, dans Keeper, tu fais un morceau de donjon, t'as des troupes. Et tu les gardes pas sur le donjon d'après. Le permadeath me dérange pas. Ah oui. Sinon, tu dois être parfait pour perdre personne. Mortel, c'est du permadeath. Oui, en gros, en fait, tu te retrouves avec des persos prédéterminés ou non, mais tu les as vraiment que. Que pour la durée du donjon, quoi. Il les a 40 minutes. Voilà. Et du coup, il y a vraiment personne. Il y avait pas du tout de personnage que tu suis, en fait. Ou j'aime moins. Bah, pour le coup, il sait. Faut aimer. Faut aimer. Ok. Donc ouais, on s'en sera bien. On part bien sur une journée de vente là. Une très courte journée de vente, je pense, parce que il n'y a pas beaucoup d'objets en popularité haute. J'aimerais autant ne pas vendre les objets qui ne sont pas sur un. Qui n'ont pas au moins un stack complet. Joue à Tarkov, tu meurs, mais tu continues de monter tes levels.
En fait, j'ai rien à vendre. C'est vrai, j'ai rien à vendre. Ouais, si, vas-y. Je vais remplir le bac à promo déjà. À voir ce que ça donne. Remplir le bac à promo de conneries. Je crois que ça va suffire pour le bac à promo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oui, large. Bah, du coup, ça retourne dans le coffre. Les faire en même sur GBA, je les ai fait au moins 20 fois mes premiers amours. Ouf. Bah, si c'était ton premier jeu, on va dire. Parmi tes tout premiers jeux. C'est des jeux qu'on garde à vie, ça. Ceux qui nous font découvrir le gamingue. Ouais, c'était l'un de mes premiers tactical. Tout premier jeu. Mais tout premier jeu. Alors, c'était pas du Pokémon, mais tout premier, mais ça en faisait partie. J'essaie de me rappeler. Avec le Final Fantasy Tactics Advance. Un très bon titre, ça. Premier tactical, je dirais Commando pour ma part. Mon premier jeu Tetris sur Game Boy. À 4 ans. Très tôt. Et en fait, je crois que. Première console, en tout cas, les toutes premières. On avait eu la PS1. Avec mon frère. C'est quoi? Non. Non, il y avait. Ouais, on l'avait. On l'a pas. Non, je crois pas qu'on l'ait utilisé longtemps parce que elle avait vite lâché. Et on a eu la PS2 peu de temps après. Et vraiment, les tout premiers jeux dont je me rappelle, bah, c'était. C'est du Resident Evil. Super NES, moi, et la Sega, la Atari de mon père ici. Vas-y, remonte plus loin. Puis la NES avec un de mes frères. La Commodore. Oula. On part sur des trucs là. Et ouais. On a eu la PS2. On a connu le plus gros de nos jeux dessus. Jeux d'enfance. Et après. Au collège, je suis plutôt parti vers. Du côté de Nintendo. Et c'est là que. Ouais, c'est là que j'ai vraiment eu ma grosse période Pokémon. T'as eu un bout de bois pour jouer dans le jardin aussi. Le Commodore. Oui, bah à un moment. Tu dis qu'une personne a connu le Minitel, bon. Minitel, Commodore, bout de bois dans le jardin, on n'en est pas loin. Alors. Ouais, ben on va pas se fatiguer. Ça va surtout être une journée pour essayer de mettre un prix sur le max. Essayer de mettre un prix sur un max de trucs. Ouais. Je vais plutôt faire ça parce que ça va être chiant sinon. Des mèches d'or. Oula, c'est quoi ça? Ouais, ça vient bien du donjon numéro 4. Alors, y a-t-il autre chose que je n'ai pas vendu encore? Est-ce
du mercure. Ouais, vas-y, mais à mon avis, ça va pas être très probant. Et éclat de cristaux. C'est vrai, quand même, le prix le plus bas de ce qu'on peut loot dans le donjon, quatrième donjon, là, c'est quand même, ça se vend quand même à 500. Pas mal. Pas mal, après, faut voir, parce que je m'y suis essayé déjà la semaine dernière. Et c'était assez galère. Donc on va voir. On va voir, mais ça risque pas d'être une partie de plaisir. Enfin, pas pour le début en tout cas, parce que l'équipement est un peu... Faut mettre à jour l'équipement, on va dire. Oui, ça peut partir en vente à 10 000. Ouais, je vais quand même le récupérer et mettre ça. Et mettre ça dans la vitrine plutôt, parce que j'ai envie de courir après un voleur. Ok, ensuite, l'adapteur AC. Parlons de vieilles consoles justement. Les bons vieux adapteurs là. Alors j'ai eu des jouets, mais j'étais plus souvent scotché sur mes consoles. Ça va. Ah, j'ai pas mal joué longtemps avec mes peluches avant de passer aux consoles. Mais t'étais dans un pays pauvre. On avait la console, hein, justement. Mais mes peluches, voilà quoi. Table, jeu exceptionnel. On a eu tard un PC à la maison. Oui, moi aussi. Premier jeu PC, je dirais premier Worms en 95. Après, on l'avait acheté. On a acheté Sacred avec ma mère, mon premier hack and slash. Sacred, c'est pas un jeu hyper chelou. C'est pas qu'il est chelou. D'abord. Oui, dis-lui. Ça, oui. Alors, l'adapteur. Ça se vend à combien ça? Ouh, on se rapproche du 40 000 quand même. Ah oui. C'est entre 7 200 et 40 000. On va dire un bon 30 000. Pour commencer, ça me paraît bien. Vas-y. L'unité d'alimentation juste en dessous. Vas-y, on va dire... On va dire du 30 000 aussi. Non. On va dire du 28 000. Voilà. Bouteille d'argon. Non, on va faire ça. 30 000, 29 000. Ouais, on va faire ça. On va faire 30 000, 29 000 et 28 000. Comme ça, vu qu'on sait que c'est des objets qui se suivent. Ok. Alors. Déjà, le prochain, c'est bobine de tungstène. On n'est plus sûr du 7200. On va mettre un 7500. Nanana, 500. Ensuite, tube électronique. En dessous du 7200. 7000. Et là, on passe encore plus en dessous du 7200. Donc, on va mettre un 6900 ? 6800 ? 6800. Allez, vendu. Oui, mais le jeu... non, mais il était trop bien. J'avais 12 ans, c'est... J'avais 12 ans, c'était top. Oui, bah, de toute façon... Je disais tout à l'heure, des jeux d'enfance, tu vas toujours les porter dans ton cœur, c'est ça. J'ai
y en a des bons jeux hein, quand même. Il y a les bons jeux. Après, il y a les jeux qui sortent qui sont complètement cassés. Et dont les créateurs, dont les développeurs annoncent la démission 4 jours plus tard. Bobine Tesla. On est en dessous du 7200 et il y a 3 objets avant le 7200. On va mettre un 6400, vas-y. Voilà. Et ensuite, la batterie cassée. Batterie cassée, elle est encore en dessous de la bobine Tesla, donc ça, bon. Vas-y, on va mettre ça. 5900. Film plastique. Bon, ça, par contre, si ça se vend hyper cher, oui. Ah, c'est plus logique comme prix. Je vais pas les vendre, en fait, ces objets-là, parce que les petits objets... En général, c'est assez utile pour... En tant que compo de craft. Donc, je vais pas les garder. Donc ça sera vraiment une toute petite journée quand même. Toute petite journée de vente. C'est juste histoire de découvrir des prix là-dessus. T'as pas toujours 12 ans sous et demi. Attention, hein. C'est plus 12 ans, hein. C'est et demi. Hein. On y tient à ça. Allez, tu regardes un prix. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, elle est pas contente du prix. Et lui, il est pas content du prix non plus. Ah oui, mais pourtant... Alors lui, il est pas content, mais c'était pas loin. J'ai juste baissé de 2000. Et ici... Alors, elle avait regardé la bouteille d'argon. Et elle était carrément outrée. Vas-y, on va le mettre à 22 000 dans ce cas. Et ça, je le mets à 26 000. Ok. Ce bruit-là, c'était l'oiseau. Mais ça suffit! Oh, super! L'assistante qui a arrêté le voleur. Ça, c'est cool. Par contre, du coup, le petit vieux... j'ai pas pu... Il voulait de l'aide dans le magasin, mais j'ai pas pu venir à temps le voir pour m'occuper de lui. Dommage. Ok. Ouais, l'unité d'alimentation, le petit vieux est venu le voir, donc... il a pas aimé. Sauf que si je baisse un peu... Vas-y, j'espère que ça... Oui, oui, bonjour madame. Elle voulait de l'aide. Ah. Elle a été outrée par le prix de... C'est quoi ça? La batterie cassée. Ah bon? Mais tu veux que je le vende à combien ça? Tu le veux à 4500 carrément? Je vais mettre à 4800. Et bonsoir Hélène. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça a été ta semaine là? Encore un mois et demi à attendre pour Yakuza. Encore deux dodos avant les pirates dans Artels. Alors. Ouais, ça on va mettre à 4800. Ouais. Il se passe ce que je craignais là avec... avec l'augmentation de taille du magasin, c'est que j'ai moins à m'occuper d'emplir les rayons. Par contre, du coup, je me retrouve à courir un peu partout entre les rayons. Alors, Bobine Tesla, c'est un peu trop cher. On va le mettre à 6000. Il regarde deux prix. Oula, 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 non. Ah ouais. C'était un prix excellent, ça. Je
vais pas me laisser avoir. 7500, elle a eu de l'or dans les yeux là, donc ça veut dire que c'était beaucoup trop bas comme prix. On va le mettre à 8000 et 8500. Et ça. Elle a pas aimé. Trop cher. Encore trop cher, la bonne Tesla. On va mettre à 5700. J'ai pensé à vous depuis jeudi passé, je suis malade. Oh! J'ai été directement au médecin, mais hier ça n'allait pas mieux. Ah mince alors, ici je fais de la température. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ah oui. Ouais. C'est malheureusement la saison. Ouais, courage à toi. Et repose-toi bien surtout. Je fais de la température du coup et double trachite que j'ai eu est tombé sur mes branches. J'ai eu bronchite. Ouais, c'est la saison. Reste bien au chaud. Installe-toi tranquillement. Et beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Alors. Ah bah du coup, c'est calme d'un coup. Il n'y a plus personne qui regarde de prix. Et comme je fais ma blanche, je me suis gouré. Ah. T'es gouré de quoi? Tu t'es pas gouré de médicaments, j'espère. Oh non! J'ai pris le sirop pour la toux. Guison! Y'a plus personne qui regarde le prix. Les prix. Ah bah quand même. La petite vieille a jugé l'adapteur trop cher pour ce que c'était. Vas-y, on va mettre 25 000. Dans ce cas, faut aussi baisser des prix ici. Ça, je vais le mettre à 22 000. Ça, je vais le mettre à 19 000. C'est bon. La bobine Tesla est partie. À 5600. Ouais, ça baisse de popularité, bien entendu, mais pas très grave. En revanche, la batterie cassée est encore trop chère. Ça va, oui? Trop cher. Trop cher. Décidément. 20 000. 18 000. Je descendrai pas, plus, hein. Oh. Comme je fais... Nanana. Au lieu de prendre mon antibio en soupant, j'ai pris un paracétamol. Ah. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Mmh. Le médecin m'a demandé de finir la boîte. Tout d'un coup Oh, pas tout d'un coup, quand même. Non. Après, bah... Vaut mieux ça que plutôt que ça soit l'inverse et que t'aies pris l'antibio au lieu du paracétamol. Bon, un antibio, ça va. Mais du coup, ouais. Non, pas tout d'un coup quand même. Non, quand même pas. Hop. Trop cher, trop cher. Décidément, ils sont difficiles aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? 22 000. Ça, on va baisser carrément à 4 000. Ah, je fais pas de chiffres là-haut. Oh. Ça, on va mettre 19 000 dans ce cas. 17 000. Mais la petite vieille, elle a commencé à regarder le prix. Et puis après, et puis elle s'est barrée. Ah. Trop bas comme prix cette fois, mais... Très bien. Très bien. Ok, ça c'était trop cher encore. Décidément. Et ça aussi c'était trop cher.
Tiens, pourquoi c'est pas parti ça? 3800, vas-y. Ok. Bon, ça malheureusement, il n'y aura pas de prix là-dessus parce que c'est un client riche qui l'a pris. Donc. Ah oui, mince, j'ai oublié. Les pauvres PNJ qui attendaient leur objet de quête. Par contre, il y a deux fois le même PNJ là. Il y en a un qui est venu réclamer ses objets. Et un autre qui vient demander une quête du coup. Quête échouée? Comment ça, quête échouée? Ça vient pas de bugger là? C'est deux fois le même PNJ et deux fois l'un qui me demande 5 teintures et l'autre qui me dit j'ai échoué la quête avec 5 teintures. J'ai eu deux fois la même quête? C'est toujours ça de gagner en attendant de regagner la santé. Hmm. Si on peut t'apporter un peu de réconfort, de joie. Toujours ça de gagner. Je dis passé quand j'ai été la première fois, je n'avais pas d'antibiotiques, mais là, la deuxième fois, donc hier, m'en a ajouté, m'a prolongé les aérosols. Mes aérosols me tuent, j'en ai marre de ça. Ouais. Il faut y passer, malheureusement. Et mais du coup, t'es quand même de repos, là, depuis... Bon, ou alors c'est tombé sur ta semaine de repos, justement. Est-ce que t'as pu... Ouais, j'imagine que t'es quand même à la maison. Ouais, surtout, autant ça peut prendre 2 jours et après tu vas mieux, autant ça peut durer plus longtemps, quoi. Et ça, là, quand ça dure un peu plus longtemps, ça casse les pieds. Moi, j'attends en tout cas. J'ai tout compris, c'est tombé sur ma semaine de repos. Ouais. C'est que c'est un peu dommage. J'avoue que c'est un peu dommage. Bon, certes, tu peux quand même te reposer, mais... Ah, il a pas pris le... Non, un voleur! Tu reviens là, toi. Non, mais... Et bah voilà, la journée s'est finie avant que tout parte, donc. Non mais c'est ça, ça a bien bugué, hein. Parce que là, il m'a donné les 40 000 pour les 5 teintures. Et ensuite, le deuxième, juste après, il me dit « Quête échouée pour 5 teintures ». Alors oui, certes, j'avais pas 10 teintures, mais est-ce que c'est bien deux quêtes distinctes? Et du coup, j'aurais pu gagner 40 000 si j'avais 10 fois teinture. Ça ressemble plus à un bug, quand même. J'étais censé reprendre au jeudi soir, je reprends samedi soir. Ça me rappelle les vagues de Cob aussi en étant malade. Ouais, ça... Ouais. On choisit pas, malheureusement. Ouais, on va vider les rayons. Ça aussi. Faut pas croiser des gens après, on tombe malade. Eh bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, hein, c'est... Malheureusement... Il y a des fois où on ne peut pas éviter les interactions sociales, écoute, hein. C'est la vie. Malheureusement. Ben disons que là où je bosse, j'ai pas le choix. Ouais. Pas vraiment le choix, oui. C'est... Y a pas vraiment le choix. Non, oui. On n'est pas tous au fond de notre tanière. Le problème, c'est les gens, on est d'accord, hein. Ouais, on est d'accord, hein, faut supprimer les gens, hein, tout à fait.
Bah du coup, force à toi quand même, Hélène, et puis repose-toi bien. Et après, à voir si... D'ici samedi, du coup. Je meurs. Aïe. Aïe. J'ai bêtement perdu mes 3 boucliers. C'est super. Allez. Ça commence bien. Ça commence très bien. Qu'est-ce que je suis venu chercher dans le donjon là, en fait? Ici, il me manque au moins une pierre du désert. Au moins une. Aïe, aïe. Ça, typiquement, c'est une flaque qui casse les pieds parce que l'objet qui vient se poser est en plein milieu. Du coup, je suis obligé de passer dedans pour le récupérer. J'ai déjà demandé aux enfants de me partager leur câlin, mais pas leur microbe. Ils écoutent pas. Le bûcher ! Ça supprime les microbes en même temps. Ça désinfecte, oui. À haute température, ça survit pas. Jusqu'au jour où ça va évoluer pour survivre à ça. Non, si tu supprimes les enfants, j'ai plus de taf. Ah oui, quand même. Ici, on regarde, il y a des sous à s'occuper, t'inquiète pas, il y en a du taf pour ça. Ah bah oui, en plus, s'il dit qu'il a 12 ans... Pardon, 12 ans et demi. C'est important. 12 ans et demi. Ah, un étage secret. Oui, mais... Ouais, je vais quand même aller compléter le reste de l'étage normal. Et je reviendrai ici après pour faire l'étage secret. Tout mais pas des sous. Please. Je sais compter jusqu'à 5 et lasser mes chaussures. Est-ce que tu sais compter jusqu'à 5 tout en lassant tes chaussures? Ouh, ça casse les pieds, ça. Oui. Aïe. C'est bon. Ok. Ah, il est vénère cet étage. Ou alors je suis rouillé, ça fait... Enfin, ça fait une semaine qu'on n'y a pas joué, hein, quand même. Allez, Franklin. Ouais, mais tu dis ouais chez mon frère à chaque phrase. Oula, souille. Après, je vais pas dehors, donc je mets pas de chaussures. Après... À 12 ans et demi, j'ai envie de dire... Vive les chaussures à scratch, hein. Aïe. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Aïe. Mais Aïe. Allez, non. Étage secret, étage secret. Ça s'oublie très facilement. Hein. Ou alors du coup, ça fait quoi de beau ce soir sinon, Hélène? Le repos tranquille dans le lit, tranquille dans le lit devant le stream ou... t'es posé sur un petit jeu en même temps. Et sinon, Docteur Who, tu as joué au DLC Dreamlet. Putain, monsieur, j'arrive pas à trouver. Cob. Tu as pas envie de faire un stream sur Dreamlet Valley. Il avait pas commencé. Couché à aérosol en vous écoutant. C'est Coblin, c'est écrit sur le stream. Il s'appelle Jean-Michel. Enchanté.
Non, Dreamlight Valley. C'est pas prévu. J'ai commencé à m'y intéresser en regardant les streams. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour nous, en tout cas. Et ma mère se l'est acheté aussi. Ah, je l'ai acheté au fait. Ah oui, c'est, tu cherchais la semaine dernière. Du coup, t'as pu l'avoir, Sou. Enfin, c'était pas pour toi. Ou alors, si c'était pour toi, et t'as juste t'as pas assumé. Non, mais c'est Disney, tu vois. C'est pas ma cam. Je lui ai offert à mon pote. Je lui ai offert à ma pote. Ok. Non, j'assumerai totalement le. Enfin, c'est vrai que ça va te connaissant, oui. En général. Non. Tu m'as touché. J'ai pas vu. J'ai pas vu si j'ai perdu des PV ou pas. Est-ce que j'en ai eu. Cool. Ouais. J'ai eu une pierre du désert. C'est tout ce qu'il fallait pour la quête. Et non, j'ai su pourquoi j'avais arrêté ce jeu. Ce jeu de mort. Pourquoi tu as arrêté c'est la merde, fin de c'est un déclin nocturne où tu es obligé d'attendre tous les jours. Mais oui, du coup, c'est... Ouais, c'est ça, j'en ai vu un peu plus, du coup. Donc, les quêtes qui te disent d'attendre comme ça... Attends demain avant de reparler à un truc. Attends demain avant de ramasser un truc. C'est vraiment des jours, des durées IRL quoi. C'est vraiment tu reviens. Tu attends demain et puis tu reviens demain sur le jeu, c'est ça? Ok, moi j'aime cette marde. Ah bah après oui. Oui, il y en a de plus en plus. Bah ça, après, d'un côté, oui, c'est ça qui est un bon moyen de te faire revenir sur le jeu. Régulièrement, surtout. Bah après, ça dépend des personnes aussi, parce que autant t'as les gros farmers, autant t'as peut-être aussi envie d'y jouer... un peu chaque jour comme ça, là pour le coup ça fait sens d'avoir ce genre de quête. Oui, ça prend pendant 5 ans. Ah non mais ça fait sens qu'il y ait ce genre de quête du coup pour si tu peux pas forcément ou même juste si tu veux pas forcément revenir enfin être constamment sur le jeu plusieurs heures d'affilée quoi. Ouais, non. Les herbes de marde, on laisse de côté. Moi, j'avais beaucoup fermé, du coup, j'ai vite avancé. Oui, après, c'est parti en même que ça se... Comment dire? Que ça stagne, on va dire, avec ce système. Aïe. Mais... Ah, mais j'ai plus de place, bah oui. Mais qu'il est con. Ah, pourquoi l'objet il remonte, il rentre pas tout seul dans l'inventaire. Meurs. Merci. Alors. Qu'est-ce qu'on va jeter? On va jeter ça. On va ramasser des carottes. En temps de 50 et tu récupères 8 par jour, ouais, hyper intéressant le jeu joué en fait. Va ramasser des carottes. Non, fermer du fric à quoi savoir en faire alors que j'ai acheté tout ce qu'il y a chez Picsou. Ok docteur, on dirait que le jeu t'a saoulé.
Pas sûr, mais je pense qu'il veut juste pas l'avouer quand même. Il aime bien. Il aime bien se faire du mal aussi. Ceci dit. Joue à Wartel, c'est bien. D'ailleurs, je suis déçu, il y a des succès multijoueurs. Ah. Et Sue et... Sue et le multijoueur, ça fait 34. Oui, alors ça, c'est nul. Je sais plus s'il y a des succès comme ça sur du Stardew. Il me semble pas, mais je me pose la question. Oui, ça on peut jeter. C'est du caca. Et qu'est-ce que je vais jeter d'autre? On va dire ça. On va dire ça. Voilà. Oh, contre les PV, ça a pris cher. Au secours. Et ça, m'amuser. Je vais m'amuser avec l'arc, ça. Allez, ça meurt. C'est bon. Ok. Ah, une entrée vers le quatrième donjon. Moi ici, je fais les missions événements. Des trucs de merde en plus. Faire une chasse, et youhou. De ramasser des fleurs. Pourquoi mettre des succès en multi? C'est quoi l'intérêt? Attends, 35 succès multijoueurs qu'ils ont mis? Ah oui, 35. C'est un peu beaucoup quand même. De ramasser des fleurs en attendant, je joue à Lego Fortnite. Mais oui, du coup. Pour répondre à ta question, Hélène commence à m'y intéresser, on va dire. Dreamlight Valley. J'ai commencé à m'y intéresser juste à regarder, mais je pense pas encore le jouer pour l'instant. Quoi? Bah on parle de Disney. Merde. Ouais, ouais. Ah ouais. Magnétite. Était déjà pas bien haut dans mon estime. On remet une couche. Allez. Non mais... Sou, il est aigri parce que je lui ai cassé sa rétrospective de l'année avec Story of Seasons. j'ai vendu le bon truc. Oui, j'ai vendu la magnétite. Tu sais que ça me donne des idées du coup hein, pour l'année prochaine quand même. Cette année on a eu des jeux cette année. L'année prochaine on va dire que il y a toujours un jeu qui est en attente. Ça commence par Peppa et ça finit par Pig. Oui, putain, j'avais oublié. Et oui. Non, je voulais pas rentrer. Oh. Non, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que le donjon, le boss du deuxième étage, là, ça aurait été compliqué. Non, c'est pas plus mal. Peppa Pig. Et tu as fort avancé. Story of Seasons. Oui, c'est... Depuis combien de temps qu'on l'a terminé là? Ça fait un petit mois, je dirais. Il me semble. Non, pas le fouet. Je vais rester au loin. Là, tu dis pas d'habitude. Mes catégories. Mais en vrai, Lego Fortnite est très bon, ça n'a rien à voir avec Fortnite, mais alors pas du tout. FF Octo, D4 et Story of Seasons.
21K de messages envoyés. Putain, t'es rude. y a plus de place. Ça fouette entre Docteur Who et Comics. On sera tout. Donc plus que... Donc plus que la commande sonore du... Commande sonore du fouet, là. Oh, j'ai commencé à réfléchir aussi à des... Des commandes sonores rigolotes à ajouter. J'ai des idées, mais il faut que je fasse le tri. Je m'y suis attaqué là après... avoir refait un peu les visuels de la chaîne. Oh purée, il est là-haut. Oula, 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 calme. Calme, peluche. C'est excité d'un coup, là. Oh purée. On attend Didi aussi au bout d'arrêt de gueuler, merci. Il aboie encore, hein. Il est parti de l'autre côté, mais il aboie encore. Cool. Oh. Les chances que ça arrive, quand même. C'est rare que je trouve des objets comme ça, qui ont ce malus directionnel, et qui en ait déjà un autre qui ait le même malus dans le même sens. En général, c'est toujours le... je tombe toujours sur la direction opposée et ça casse bien les pieds. Je lave, je laisse ça, je vais vendre aussi. Et finalement, je sais plus que m'avait dit, vous avez un Discord et bonsoir peluche. À venir. À venir, mais oui. Alors. Oui, toi, je peux te tuer de loin, assez facilement. Et au final, je me suis renseigné un peu plus sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il fait ce magicien-là. En fait, il renforce juste les attaques des autres. Que je poste tous mes exploits, je suis trop impatiente. Bah, c'est vrai que moi aussi, parce que... En fait, c'est quand même bien pratique à avoir parce que je me dis que rien que les fois là, dernièrement j'ai annulé des soirées assez fréquemment, je me dis quand même c'est bien à avoir, ne serait-ce que pour prévenir dans ces cas-là. Après Ça se réfléchit toujours parce que j'ai non plus envie de monter un truc complètement à l'arrache. C'est pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais juste je suis assez pointilleux de manière générale et je m'attarde beaucoup sur des questions qui n'ont pas forcément qui ne sont pas forcément aussi qui ne devrait pas être forcément aussi accaparante pour certaines. Oula. Aïe, mais je me fais assommer de partout. Allez, c'est reparti la pluie de cailloux. C'est bon? Non, toujours pas. Ouais. Il est casse. Il est casse-patte. Il meurt pas aussi. C'est parce que j'attaquais à l'arc au lieu de l'épée. Je pourrais emmerder où tous les jours. Oui, aussi autant bien faire les choses. Moi, j'ai tendance à m'éparpiller beaucoup, casse-bonbon. On a un langage très fleuri et coloré par ici. Très bonbon. Ah, oups. Allez, meurs. J'ai l'air de mourir.
Aïe, mais il a roulé plus vite, plus tôt lui, plutôt que prévu. Bon, ce serait bien de tomber quand même sur un coffre magique qui envoie toi à la maison là, parce que j'ai plus de place. Et il y a plus de place. Bon, on va jeter les cordes. Et plus de place. Je libère une place et forcément c'est l'objet le plus nul qui vient dans le sac en premier. Super. Poussière isolante, ouais. Bon, c'est déjà un peu mieux, mais bon, c'est pas le meilleur. Ouh, le goûter. Mickey. Faire attention pour pas que le goûter coule. Le thé. L'heure du thé. Il y a 3-0 Moonlighter. Sur Switch. Je sais qu'on l'avait eu. Il me semble qu'on l'a eu à ce prix-là aussi, mais sur Steam là. J'ai envie de tousser, mais je me retiens. Non. Car à force de tousser, j'ai une barre au ventre, Mickey. Il est gentil, docteur. Ouais, il y a des moments comme ça, j'en profite. Hein, parce que bon. Sur Steam. Hein, je crois qu'on l'avait eu. Non. Peut-être pas à ce prix-là. Je sais plus. Et ouais, peut-être pas sur Switch parce que. Ouais, c'est... pas sur Switch. Parce qu'on avait regardé également à le prendre sur Switch avant de partir sur Steam. Et ouais, sur Switch, c'était un peu... Faut mettre la main à la poche, quoi. Enfin, dans les cas, tu mets la main à la poche, mais... sur Switch, t'enfonces la main un peu plus loin. Un peu plus loin dans la poche, on va dire. Non, mais du coup, je jette quoi, moi? Je pense que je vais commencer à jeter de plus en plus souvent les gelées parce que là... Ou alors... J'aimerais bien revenir à la maison maintenant. Seulement ça fait un peu... Ça fait un peu chier parce que ça va faire avancer... ça va faire avancer le temps dehors. Là du coup, on est le 22, on est la nuit du 22. Non mais... Dans le calendrier, ça a retenu que j'ai échoué la quête, hein, quand même. Donc c'était bien un bug. Je suis pas censé avoir plusieurs quêtes dans une même journée. Sauf que ce calendrier, il a retenu que j'ai échoué la quête, quoi. Et merci, quoi. Sur Steam, bien au fond, dans les... Pardon? Ça va, ce? On dérange pas. J'ai vu son crâne une fois, mais me demande pas comment. J'ai pas encore eu l'honneur de voir sa tête à Doctor Who, j'ai vu ses mains. J'ai vu son crâne une fois. En parlant calendrier. En parlant calendrier. Oh, toi, tu t'es pris un calendrier de l'avant. Je suis trop célèbre pour me montrer. Vos saucissons sont bons. Oui, ils sont bons. Alors juste, c'est un peu dommage parce que il y a des jours où t'as deux saucissons, deux mini saucissons en même temps dans la même case, et d'autres jours où t'en as un seul. Mais bon, ils sont bons. Et tu le sens que c'est bien, bien artisanal pour le coup. Ça, y a pas à dire. Y a pas à discuter. Ouh, les radins. T'as vu? Même pas, ils ont mis deux saucissons dans toutes les cases. Non, ils sont bons. Ils sont très bons. Par contre, il y a des goûts qu'on n'arrive pas trop à reconnaître en vrai, parce que il y en a certains, on en a eu plusieurs depuis le début, et puis là, il y a deux soirs, on a eu enfin un qui était vraiment enrobé de poivre. Ça veut dire que toutes les fois où on a pensé manger celui à l'enrobage au poivre,
Mais au final, c'était pas ça. Du coup, on sait pas. On sait pas c'était quoi. Oui, après, on s'en fout, c'est bon. Mais bon. Et c'est un peu l'intérêt du truc aussi de découvrir et d'essayer de le reconnaître, de deviner. On s'en fout, c'est bon. À cerner. Goût goudron. Allez. Oh, plein d'anti-maléfices, oui. Ça, je prends. Oh. Alors. Déjà, il y a deux verres résistants que j'aimerais bien combiner. Il y a également un lingot que j'aimerais combiner. Voilà. C'est un peu dommage, ça m'aura libéré qu'une seule place. Ensuite, on va envoyer à la maison. On va envoyer à la maison. Bah, je sais pas. Envoyer deux objets à la maison là. Si je sais, si je sais. Envoyer la teinture à la maison. Et on envoie à la maison. Je sais plus ce que c'était. Là c'était lingot. Je sais plus. Mais c'est parti en tout cas. Oui. Ça. Lave gelé. Jeter la poussière isolante. Je range le verre résistant. Et puis bon. La gelée de feu. Non, la gelée de feu, ça va rester là. Hein. Tant pis. Alors, on en est où? On en est à... J'ai plus de PV. Let's go. Et oui, on en est à deux salles. Oh, un blob. Un blob. Oh, il était seul dans sa salle. Eh ben. On ramasse. Oh, super. La salle de soins. Ah oui, et en même temps, ça va être la dernière salle. Toute dernière salle. On arrive au bout du donjon. J'ai fouillé un peu pour essayer de trouver un coffre magique. J'aimerais quand même que le coffre, que l'inventaire soit vide pour récupérer les loot de la salle du boss. Ok. Et vous les faites pas découvrir au moment des streams. Ah non, parce qu'on y pense. Et on pense pas à attendre jusqu'au soir de... au soir du jour d'après. Dès que minuit sonne, dès que 12 coups de minuit sonne, c'est... Hop, on ouvre la prochaine case. On est demain là, on ouvre la prochaine case. Oui. C'est bon. La boule est morte. Au deuxième coup, il y a déjà plus de saucissons. Comme des enfants. Ah ouais, là-dessus. Là-dessus, non, c'est bon. On est demain. Minuit passé. On est demain. Même si, bon, techniquement... On sait tous que demain c'est après qu'on soit parti se coucher et qu'on se réveille.
bien entendu. Bon, par contre, je suis triste là. Il y a pas de coffre magique. Ça n'existe pas. Là, depuis tout à l'heure, je laisse par terre pas mal de loot. Pourquoi je vais marcher dans la lave? Oh non, mais là c'est mort. Faut vraiment que je fasse un aller-retour là. Tant pis si le temps avance, mais y a pas le choix. Il reste juste trop d'objets par terre là. Des objets qui pourraient être vendus. L'objet indiqué devient cet objet. Et bah pour le coup, je vais peut-être transformer. Je vais transformer les plaques de métal. Voilà. Ensuite, ça s'est détruit. Donc on va éviter. Et ça s'est détruit. On va éviter. Allez. Direction la maison. Comme des enfants, c'est l'heure de l'apéro. Ah si, oui, on a fait le DLC de FF16. Oui, on l'a fait le DLC. Alors douille ou pas? En vrai, je trouve que c'est quand même à l'image des patchs qu'on a l'habitude de recevoir sur FF16. On a pour... t'as des quêtes... les quêtes, on a pour genre... 3-4 heures à tout casser. Puis après... un peu court. Et après, t'attends la prochaine mise à jour, quoi. Un peu court, on va dire. Et encore, nous, on l'a fini en 3 heures. Hein. Surtout que moi, quand je joue, en général, faut compter au moins la moitié du temps en plus pour moi, quoi. Donc c'est vraiment court. Par contre, ça apporte des réponses. Des réponses que je voulais sur certains points du lore qui me manquait à la fin du jeu. Donc moi, pour le coup, ça m'allait. Après... ça peut quand même être assez léger. La qualité était au rendez-vous malgré tout. Gratuit, non. Non, non, pas gratuit. Le premier DLC, il est à 10 euros, je crois. C'est ça, 10? Ouais. 10 euros le premier DLC et le prochain, c'est 12. 15 en solo. Et tu les prends 1 à 1, c'est 10 et 15. Ah, c'est pas 10 et 12? C'est 22. Ah, ok. Ouais, donc, ouais. 10 euros le premier DLC. Et 15 le deuxième. Si tu les prends à part. Après, si tu prends le pass pour les deux en même temps, on a pour 22. Rah, les bâtards. et c'est là que je me suis fait la remarque, justement, mais. Imagine, on nous fait payer comme ça, de la même manière pour les patchs de FF14. Là, par contre... Eh. Alors... Je vais faire juste un tout petit peu de rangement. Et on repart pour le donjon juste après. Juste un tout petit peu. Hein. J'arrive. Et oui, faut que je prenne des potions également. Ouais. Je vais en prendre 2 tas. Sait-on jamais. Normalement, ça devrait pas me servir. Mais sait-on jamais. Je
Regarde le Viking, là, il a eu son DLC gratuit et très bon en plus apparemment, God of War. Oui, mais bon, ça après. Ouais. Ah non, mais je suis d'accord, hein, c'est. Un poil cher, on va dire. Pour ce que ça apportait. Ça, c'était un peu cher pour ce que c'était, oui, voilà. Ah! Il y a le blob ici qui a évolué. C'est devenu un techno-blob. C'est bizarre, c'est pas devenu un blob de feu quand on atteint le désert du donjon. Ou alors peut-être que si, mais bon après... Entre la couleur du blob de la forêt et le blob du désert, s'il y avait pas beaucoup de différence en vrai, donc peut-être que ça fait un petit moment que je vois le blob et que c'était un blob de feu, mais j'ai jamais réussi à distinguer la couleur. Ça y est, je commence à plus voir les couleurs. Partels, même 30 balles, je le prends instant leur DLC. Téléphone leur, ouais, ça marche, à toutes. Du coup, Comi, c'est quoi tes prochains jeux sur stream? Tu verras, c'est tout beau. Oui, oui, je disais tout à l'heure, j'ai refait un peu les visuels de la chaîne. Et donc, entre autres, j'ai décidé de mettre aussi... Enfin, le planning apparaît sur l'écran offline sur la chaîne. Mais je l'ai mis aussi dans les panneaux de chaîne en même temps. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à aller voir en fait sur l'écran de offline. Par contre, les panneaux, ils sont un peu plus accessibles, même sur téléphone. Alors, attends, ouais. Je vais peut-être le montrer, en plus, ça serait une bonne idée. Ah, mais du coup, je l'ai plus sur OBS, mais non. Ouais, moi, je peux juste rajouter l'image vite fait. Je peux rajouter l'image vite fait. Ouais. Je vais le rajouter là. Ça va apparaître en grand, attention. Est-ce que je l'ai rangé? Il est lourd. Là. Ça, c'est l'écran d'offline. Donc, c'est celui qui apparaît quand on va sur le lecteur de stream. Et après. Endroit, il est pas forcément, enfin on y pense pas forcément. Sur téléphone, en tout cas, sur les téléphones, il est même pas, tout simplement. Et du coup, je l'ai mis aussi dans les panneaux. Et dans les panneaux, c'est celui en au format vertical. Voilà. Donc oui, en prochain jeu, là, de toute façon, on a encore Moonlighter et Octopath 2 en cours. Et la semaine dernière, on a commencé The Quarry, un jeu narratif à pas peur, à dire. Mais celui-là, normalement, on devrait pouvoir le finir cette semaine ou encore un autre stream après. Et donc voilà. Après. Allez, sérieux. Le désespoir de Hélène. Je dois parler bas car ou de voix, c'est chiant de parler comme ça à son homme, du coup il se moque. Et je lui ai envoyé des SMS comme ça, plus d'effort. Ah oui, ça serait que... Si t'es malade et qu'on te demande de parler en plus... T'es malade à la gorge. Ouais, ce serait que des fois... T'as juste envie de mettre en boule. C'est bon, me parle plus. Envoie un message. Je suis pas dispo, laissez un message. Nanana, The Quarry, tu aimerais Hélène. Vous le streamez à nouveau quand Demain soir. Oui, demain soir, oui. Après,
Après celui-là, faut que je refasse le tour. Alors. J'en profite de cette petite pause pour boire le thé. Parce qu'on va dire que ça va faire 3-4 soirs de suite où on était en stream. Sauf que du coup, le thé qui a été gentiment apporté par le monsieur de l'autre côté du bureau, et qu'il est resté comme ça sur le côté parce qu'il a été oublié. Donc on va le boire. Même si c'est un peu chaud. Et de toute façon, c'est pour ça que je les oublie, c'est trop chaud à chaque fois. Du coup, je me dis, je laisse un peu, et puis je me rends compte une heure plus tard. Ah mince, le thé. Il est bon ce thé. Très bon ce thé. Et on entend le thé dans le micro. C'est génial. J'ai pas bougé du lit de la journée. Je zioterai demain du coup. A pas peur. Après pour l'instant il se passe pas grand chose. Tu vas pas trop du côté horreur. Qu'est-ce qu'on a d'autre au goûter là? On a des clémentines et on a un petit pot de dessert. Et allez. T'as de nouveaux trucs à me proposer, Andrei. Qu'est-ce que c'est? Casque en fer 4. Ah oui. Okay. Est-ce que j'ai amassé des compos pour une première mélio là? Non? Non. Bon bah on va juste repartir comme ça dans le donjon hein, parce que bon. C'était vraiment juste histoire de rentrer vider le coffre. Par ça, il y avait vraiment rien à faire. Mais puis surtout, là, je vais pouvoir repasser un peu par tous les endroits où je suis passé. Il y a un truc qui m'interpelle. C'est quoi ce... Non, j'ai cru voir un truc bizarre qui apparaît sur la map, mais en fait non, pas du tout. Allez. Ah non! Mais non! Ça fait respawn les mobs! Non! Oh, c'est bizarre. C'est pas censé faire respawn les mobs. À moins que je suis dans une salle où j'ai pas été encore là. Je pense que c'est ça parce que normalement ça fait pas respawn les mobs. Normalement. Après. Oh, la pièce est tombée. Ah, ok, demain c'est horreur, je viens de tilter. Au toi, tu as dit que tu voulais. Ah, oui, la pièce est tombée là. Alors là. Vous voulez ma mort. C'est pas nous. On sait pas encore c'est quoi la menace dans le jeu. Effectivement, il y a quelque chose qui veut la mort de nos personnages. Mais c'est drôle à voir. Drôle à voir. Ouais. Je suis à peu près sûr d'avoir déjà tué les mobs dans cette salle, par contre, donc... Je suis triste, ça a vraiment respawn, là, en fait. Ouais. La carte graphique qui me demande une mise à jour maintenant. Non. On va éviter de le faire là tout de suite. Ça me paraît une bonne idée.
Alors. Ah ouais, non, mais je suis déjà passé par ces endroits-là, hein. Les mobs, ils en respawn. Enfin, c'est quand même un peu l'intérêt de repartir. Enfin, sortir du donjon pour mieux y revenir après, c'est pas pour se retaper les mobs qui ont déjà été tapés avant. J'ai pas compris, là. D'habitude, ça respawn pas. Mais c'est pas juste, Mais pourquoi ça respawn? Je me souviens de votre machin horreur dans le bateau, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, ou celui qui s'est pété, là... Peter. Ah, Peter. N'a pas été le premier à mourir. Je voulais pas savoir la fin, mais ça m'a quand même traumatisé. Le prout n'est pas le premier à mourir. Peter. Ah bah on peut dire qu'il a, il a pété. Il a pété en premier. Il a claqué en premier. Le prout. Mais oui. C'était Man of Medan. On refera d'ailleurs en vrai. Hein. On le refera parce que... On lui a pas fait honneur. On a perdu deux personnages très bêtement. Mais on le refera. Pas tout de suite. Bon, c'est l'heure de mourir là. C'est l'heure de mourir là aussi. Allô. Merci. Aïe. Ouais non mais... C'est un peu ridicule ce qui se passe là. Ok. Et un coffre en moins. Par contre j'ai toujours pas de coffre magique. Hein. Ça fait... On joue depuis à peu près une heure et demie. J'ai pas vu un seul coffre magique. Ok. Oui, non mais je me prends les dégâts de la flaque. C'est normal, tout va bien. Ouais. Je vais me garder ces objets bénéfiques pour l'instant. À voir s'ils vont peut-être nous être utiles dans quelques instants. Et le cube là, le cube, je vais juste me contenter de l'attaquer de loin. Voilà. Il est grand cet étage. Il y a encore 3 pièces en plus. Encore 3 pièces en plus à l'ouest. À l'est. À l'est. C'est l'est. C'est l'est. Hey. C'est qui Céleste? Ah bah si, je pensais qu'il y avait un autre mort avant lui. Vous m'avez fait plus honneur. Oui, laissez-moi reprendre mes esprits sans mauvais jeu de mots. Tu peux au moins. Au moins tu peux. C'est un peu moins leur cas. Mais oui, on y rejouera. Quand j'aurai un peu plus oublié le scénario, on va dire. On y jouera à celui-là, et surtout, pas oublier que c'est un jeu qui a... Alors, des suites entre guillemets, c'est pas vraiment une suite de ce que j'ai compris, c'est... Dans le même jeu, c'est un jeu qui est sorti au format épisodique. Donc, il y a trois autres. Je sais qu'il y a au moins 3 autres épisodes qui ont suivi celui qu'on a fait. Donc, déjà, il y aura Man of Medan, celui qu'on a fait.
on le refera un jour. Mais il y a également des épisodes qui ont suivi. Ah, j'aime pas ce magicien, il saute comme une puce partout. Je ramasse tout. Et ça, c'est la salle vide. Mince. Je me rappelle avoir dit un truc que j'étais censé tester dans la salle de campement comme ça, mais... J'avais dit la semaine dernière, mais je me rappelle plus c'était quoi. Je crois que c'était un truc genre sacrifier un objet, quelque chose comme ça. Je sais plus. Ok. Et du coup, le jeu de demain, c'est dans le même style ou plus gore? En vrai, je saurais pas trop te dire. Je saurais pas trop te dire parce que la semaine dernière, on l'a joué, on a fait 3 heures dessus. On a fait 3 heures et 2 chapitres dessus. Là, on s'est arrêté au tout début du chapitre 3. Mais jusque-là, il s'est pas passé grand-chose. Donc, je saurais pas trop te dire en vrai. Là, jusque-là, ce qu'il y a eu, c'était juste l'installation de... la présentation des personnages. Mais à part ça... Si, il y a eu le... Ouais, il y a eu le prologue. Il s'est passé quelques trucs dans le prologue. Ça va. Après, je te dis ça, mais... D'habitude, on va dire, donc... Tout est relatif, mais... Je trouve que ça va. Je garde le pire pour moi, ça... Je garde le pire pour moi, c'est sympa. Ah bah, c'est le jeu. C'est le jeu qu'il a voulu. Hop. Alors, juste 2 secondes. Je reviens. Je reviens très vite. À tout de suite. Je mets pas l'écran de pause, quoique si je pourrais en vrai. Ouais, je vais mettre l'écran de pause. Je reviens vite fait. À tout.
Et en eux, c'est bon, j'ai fini le thé. Et oui, du coup, nouvel écran de pause. Et il y a également les autres écrans. J'ai tout changé. J'ai changé. On refait un peu tout. Après, à dire que je vais couper un peu le son du jeu là parce que c'est en train. Enfin, je vous n'entendez pas, mais j'entends à la fois la musique et le son du jeu dans le casque. Donc les deux qui se mélangent. C'est pas. Pas ouf. Donc oui, je disais. Déjà, il y a. Là, il y a l'écran de lobby qui a changé également. Après, je cache pas que ça sera pas. Ça sera pas définitivement à dire. C'est un premier jet, mais il y a encore des choses que j'aimerais améliorer, on va dire. Déjà, de mettre un peu plus. Dans un premier temps. Enfin, j'ai fait ça dans un premier temps. Mais à terme, j'aimerais bien qu'en fait, il y ait des images. Enfin, l'image derrière ne soit pas statique. Ne serait-ce que de le remplacer par un petit gif, on va dire. J'y travaille. J'ai été pas mal inspiré dernièrement. Mais par contre, j'ai déjà. Là, au moins, j'ai à peu près le visuel que j'aimerais obtenir par la suite. Surtout au niveau des couleurs. Mais oui, je refais un peu tout. En tout cas, je suis content. Content que ça vous fasse plaisir déjà. Allez. On repart. Ah oui. Avant que je me prenne des reproches, je montre la preuve. Le thé est fini. On voit pas bien, mais le thé est fini. Allez. C'est reparti. Éteins la musique. Oui, début. Jusqu'au bout. Et je remets le son du jeu. Allez. Ma manette, elle est là. Alors. Je me suis arrêté. Ah, Monsieur Koblin a rendu honneur au thé de Monsieur Wood. Bah oui, parce que sinon. Je me fais disputer, donc. Je me fais disputer et on me menace de ne plus avoir de thé. Donc. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que tu m'as porté un café? Allez. Il y a un petit souci là. Le jeu me dit que je suis en train de nager là. Il y a un souci là, non? Ah oui. Oh, le bug. Et merci à cette connerie, j'ai perdu deux tiers de mes PV. C'est super sympa. Au secours. Ah oui, et là la fontaine elle marche plus. Oh. Ça par contre j'ai pas compris. Pourquoi la fontaine n'est pas illimitée? Est-ce que à force de rester trop longtemps dans l'eau, au bout d'un moment, ça te rafraîchit plus et juste
T'as la peau au bout des doigts qui commence à friper, là, comme tu restes trop longtemps dans le bain. Un petit clin d'œil à ça. Alors toi, je t'aime pas. Parce que tu roules dans tous les sens. Et bon. Ouais. Tout fripé comme les petits vieux. Hey, papy. Mon dent entier. C'est un moment qu'on n'a pas. On n'a pas vu le vieux papy du village là d'ailleurs. Ah 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 ah. Non. Il y a un chat qui plante ses griffes. Dégage. Planter ses griffes dans mon mollet là. Non, je lui ai rien demandé. Le chat. Oui bah le chat. Aura pas de mamour pour le coup. Non. Non. Oh l'erreur. Ouh l'erreur. Ouh. Je sens qu'on va perdre un coffre là. C'est pas impossible qu'on perde un coffre. Ouais, le coffre de droite est déjà pas mal enfoncé. Il ne s'est rien passé. Alors, on en est où? On est dans la nuit du 23 au 24. Donc, on peut encore faire un voyage dans le donjon. Bah c'est quoi là? J'ai pas compris. heureusement que j'ai fait un aller-retour là pour ranger au moins les objets qui ont été amassés au cours du premier et du deuxième étage. Et les objets les plus importants sont restés dans le coffre. Tout est relatif. Ça, c'est pas très, tellement important. Un peu tristoun. Ah, j'ai peut-être une idée de génie. Et si on utilisait les potions magiques? Alors, les potions magiques, c'est-à-dire... donjon des golems, donjon de la forêt, donjon du désert. Les potions magiques, c'est guide du désert et révélation du désert. Des lucioles guideront l'utilisateur au prochain étage du désert. Potion révélant la carte du donjon du désert.
Bien, c'est bizarre ça d'ailleurs. Comment ça se fait que la potion qui révèle la carte coûte plus cher que la potion qui guide jusqu'au prochain étage? C'est étrange. On va en prendre deux. En théorie, on en aura besoin de deux. Pour passer les deux premiers étages. Deux premiers étages. Comme ça, on atterrit directement au dernier étage. Et aller refaire la salle de monstre là. Deux secondes. J'arrive. Oui, vite. Elle m'a fait mal quand même, la poupette là. A planté sa griffe comme ça, totalement au hasard. Sortie nulle part, surtout. Elle était posée tranquille sur le pouf à mes pieds. Et là, je plante mes griffes parce que j'en ai envie. C'est sympa quoi. Allez! Et Yberdi, on y retourne. C'est pas ce donjon là que je voulais faire. Bah oui, vous réfléchir. Bah oui! C'est pas plus mal. Sans vie, il y a quand même les mobs de ce dernier donjon. Au secours. Aïe. J'aurais pas un peu plus. Donc je me serais pas un peu plus habitué à comment aborder les mobs dans ce donjon. Je vais me contenter de rester au loin, hein. Je vais faire ma flippette. Ouh, de la gelée bleue. La gelée bleue. Ouh. Alors par contre, ça on n'est pas copains. Ok, donc les gros blobs lâchent. De la gelée bleue et de la gelée rouge. Par contre, c'est plusieurs fois que je te tue là, le blob, non? Ça fait mal. pourquoi il continue à spawn constamment? Est-ce que c'est une spécificité du donjon? Ou ça a bugué encore. Ouais, c'est bizarre. Comment ça se fait que je peux passer entre les salles comme ça sans tuer... sans tuer les mobs? Ah, et là par contre, ça, la porte s'est fermée. Et je suis en train de mourir. Normal. Allez, on détruit la tourelle. Ok.
On reprend un peu le souffle. Après ça va. Mon équipement est un peu en dessous, mais pas tant que ça, parce que là j'ai le meilleur équipement pour... enfin, le meilleur équipement obtenable. Avec ce qu'on peut obtenir du donjon d'avant. Et c'est juste que il y a quand même un petit écart entre le donjon d'avant et celui-ci. Mais ça va encore. Ça va encore parce que les tout petits blobs, ils meurent en une seule attaque. Déjà pas mal. Ok. Est-ce que je peux tuer comme ça, toi? Non, l'arc s'il vous plaît. L'arc s'il vous plaît. Au proche. Ok. Non, les objets qui partent dans le vide. C'est génial. Ah, il y a une note à lire par terre là. Alors. Tube électronique et... J'ai pas vu c'était quoi l'autre. Bois traité. Ah. Il y a un bois qui a été pas sympa avec lui. Il était tellement pas sympa qu'il l'a, il l'a même traité. Il l'a même traité de vieille branche. Aucun héros. Aucun héros. Non. Aucun héros n'a jamais tenté de pénétrer dans ce donjon. Si j'arrive à obtenir un objet du deuxième ou troisième étage, je serai célèbre. D'accord. C'est tout. Et oui, c'était un... Il y avait un étage secret dans ce... cet étage-là. Non, la pire mauvaise idée de se faire capturer par un blob dans ce donjon. Allez. On y va. On y va à coups de fléchette, mais là, j'ai pas envie de m'approcher de ça. Eh mais en fait, ces flèches de feu, là, elles ciblent toutes seules les monstres. Là, je suis même pas en train d'orienter le tir, ça se fait tout seul. Ah, c'est ça. Alors, c'est peut-être, c'était peut-être le cas déjà depuis... depuis deux stades de l'arc auparavant, mais... je m'en suis jamais rendu compte. Après, j'ai lâché l'arc. Au début, j'adorais jouer avec l'arc, mais je l'ai lâché pendant pas mal de temps, en vrai. Dès que j'ai obtenu la lance. La lance hyper avancée pour là où j'en étais dans le jeu. Alors, roc de tungstène et bobine de je sais pas quoi, de cuivre. Ok. Oui, je voulais revenir dans la salle d'avant. Bien ce qu'il me semblait. Il y a un étage caché en dessous. Je vais pas le faire maintenant. Je vais continuer à explorer un peu. Ah bah. Les sentinelles ont fait des erreurs de position étranges ces derniers temps. Leur position rapportée ne correspond pas à leur itinéraire assigné. Comme si elles étaient téléportées de manière aléatoire. C'est bizarre. Une salle de boss où on entre par la gauche. Normal. Parce que c'était pas la salle de boss. Ok. Et là, c'est la salle de boss. Oscillateur. Ouais. Pour l'instant, il fait un tir. Oh. Ok.
Ah, et ça reste pas mal de temps. Ok, donc pour l'instant, tire en ligne droite. Il sépare l'arène en deux. Et ensuite, des arcs électriques. Par contre, il va être chiant. Ouais, c'est, il se déplace, mais ça va. C'est esquivable assez aisément. C'est juste que... Nya. Nya. J'apprends. J'apprends à apprendre. Et à identifier. Ouais, je crois qu'on a tout vu du boss, là. Bon, c'est juste que c'est un peu long parce que j'essaie de m'en approcher, mais en même temps, j'esquive. Et puis, première fois qu'on le voit aussi, donc... Ah ! Mais c'était n'importe quoi, ce boss. Je veux dire, comparé au boss du désert, au secours. C'était rien à côté. Oui. L'étage secret, il se trouve dans cette salle. On va aller le faire. Ah tiens, le prof d'histoire voudrait me voir demain. Enfin, demain ou lundi prochain. C'est-à-dire, physiquement ? Oui. Et pourquoi ? Je vais parler du DM avec toi. D'accord. De quoi il veut parler ? Et il faut que ça soit physiquement, ça peut pas être fait à distance. Aïe. Bon, déjà, j'élimine la petite tourelle qui vole. Ah non! C'est vrai que c'est le mob qui me mange des objets, lui. Et en plus, il me les vole et il les rend pas. À moins que je réussisse à les choper au vol, comme ça. Aouh! Alors... c'est pas très malin. J'ai oublié de remettre les potions. Donc là, je suis. J'ai pas de soin tant que j'ai pas fini de tuer ces mobs. Voilà. J'ai l'impression de déjà vu. C'est bon. Alors, encore du bois traité. Décidément, ils sont pas gentils entre les bois. Ouh, la grosse potion. Ça. À moi. Aïe. Ah d'accord, je viens de comprendre, ok. En fait, l'espèce de tourelle, là, elle réanime les mobs que je tue. D'accord. Donc la petite tourelle sur patte, la faut la tuer en premier. Viens de comprendre. Et autant que jamais. Par contre, je peux déjà plus porter d'objets, là. Elle est... Et laisse cette embrouille. Bon, je vais vendre les cristaux parce que
Ça, j'en aurai toujours d'autres. J'ai pas suivi les gens, la prof d'histoire. C'est pour ses cours à Dr. Wood. Il avait eu un devoir à faire et un petit moment. Et le prof aimerait revoir certaines choses apparemment avec lui. Concernant ce devoir. Mais c'est... ça m'intrigue. Par contre, c'est quoi ce boss? Il court partout, au secours. Je meurs. Ok. Allez, encore un coup. C'est bon. On va peut-être éviter les étages secrets dans ce donjon. Je transportais quoi, il aurait de reprendre. Moi, j'aurais pu le courage de reprendre. Ah bah. Ah bah ça. Ah mais c'était que l'étage entre le 1 et le 2 ça en plus. Oh. C'est pas simple ce donjon hein. Au secours. Allez, allez, allez. Ah. Pause. Ah. Merci pour le follow. Et mon frère. Merci. Suis. Non. Non. Oui. C'est... Humel. Non, je vais mourir. Non. On se casse. Au secours. Ça va? Bon, ça va. J'arrive pile au bon moment. On se barre du donjon parce que... On se fait massacrer. Tout va bien. Allez. On remet les objets dans le coffre. Yo! Je reconnais au pseudo. C'est mon frère. Alors. C'est quoi ce jeu? C'est Moonlighter. Moonlighter, mon premier roguelite. On y joue depuis... On est au 8e épisode, là. Ça fait 2 mois. Ça fait déjà 2 mois qu'on y joue. Simulator. Un petit, petit roguelike. Bien sympa en pixel art comme ça. Et pas mal avancé déjà. On a pas mal avancé déjà depuis. Bah depuis ces 8 épisodes. Je réfléchis juste à ce que je dois trier, que je dois récupérer pour le prochain donjon. Mais en même temps, pour préparer la prochaine journée de vente. Moi, je vais vous laisser, je vais essayer de dormir et ma température. Ah. Ouais, courage Hélène. Et repose-toi bien. Bonne nuit à toi. Et merci d'être passé. Courage, courage. Je réfléchis à ce que je vais vendre. Donc oui, Moonlighter. Petit roguelite. Entre le roguelite, le dungeon crawler et le jeu de gestion. Parce qu'on a une boutique à tenir. On a une boutique à tenir où on vend
tous les objets qu'on amasse dans les donjons. On est le 24. Ouais, non. Ça va encore. Donc oui, on tient la boutique. Qui s'appelle... Enfin, qui porte le nom du jeu, c'est le Moonlighter, c'est la, le nom de la boutique. Dans ce petit village de Rinoka. Et en gros, faut tenir la boutique et mettre en vente tous les objets qu'on réussit à amasser. Et en même temps, reconnaître un peu. Et en même temps, le but du jeu, c'est un peu de repérer un peu tous les objets qui se vendent bien. Pour avoir tous plus, toujours plus d'argent. Et la boutique, on est parti de loin là. On est parti de loin parce que... Là, c'est le stade final de la boutique. À force, à coup d'amélioration et de... d'extension du magasin, on a tout acheté. Merci, bonne nuit tout le monde, et peut-être à demain si j'ai le courage de me faire peur. Ça va te réveiller, ça va te donner des forces. À quand Alan Wake, je suis à fond dessus. C'est pas prévu. Eh bien, un jeu que j'ai vu que de, je connais que de loin. Cheap. On a assez de jeux comme ça en ce moment. Nitro Bing. Le 2. Donc oui, je parlais de la boutique. On est parti d'un tout petit magasin, une toute petite échoppe. Pour en arriver à un grand magasin de cette taille. Ah oui, donc jeu de gestion. Il y a la boutique à gérer. Il y a les accessoires de la boutique, entre les coffres pour le stockage. Le lit, qui donne des effets bonus à chaque fois qu'on se réveille. La caisse qui rapporte... qui donne des bonus sur les bénéfices. Et le bac à promo, pour se débarrasser des petits objets qu'on va pas forcément vendre. Sur les rayonnages. Mais il y a également le développement de tout le village. Donc il y avait plusieurs échoppes à débloquer dans le village. Oui, manger dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc oui, Moonlighter. Pour rappel, on a eu plusieurs échoppes à ouvrir dans le village. Il y a eu la forge pour les armes et les équipements. Le chapeau de bois. Chapeau de bois, c'est le stand de potions et d'enchantement pour renforcer les équipements. The Vendeur, que je suis jamais allé voir. Il s'appelle Julien. J'avais oublié ça. Ok, je viens de m'en rappeler. En fait, il peut vendre tous les objets de chaque donjon. Est-ce que je paierais pas les améliorations comme ça? Vu qu'on commence à avoir pas mal d'argent, là. En vrai... Ah, peut-être faire ça. Ah, peut-être craquer et... Ah, mais il en faut combien aussi? Il en faut combien aussi? Parce que bon... Alors, par exemple, si je veux améliorer... Ah bah, je peux déjà améliorer un premier morceau d'équipement. Bandana, bottes ou tunique.
Le bandana, on passe à plus de 170 en PV et plus 8 en vitesse. Je vais prendre le bandana. Comme ça. Au moins c'est fait. Et il y a déjà plus assez pour la tunique. Quoique. Là, la tunique, il y a besoin d'un bois traité. Et les bottes en tissu, il y a besoin d'un autre bois traité. Et en fait, c'est trop bien. Je vais payer mes améliorations. Vu comment c'est galère à récupérer les objets du donjon, ça me paraît pas décollant. Oui. Donc là, la tunique, il faut deux bois traités et j'en ai qu'un. Et il faudra également deux bois traités pour les bottes en tissu, donc on va prendre en tout, on va prendre 3 bois traités. Balle et lance. Pourquoi je peux le récupérer? Ça, c'était le balai du tout début de jeu. Ah, mais oui! Oui, il y avait un succès à faire. Oui. Il y avait un succès à faire avec le balai. Donc c'est peut-être pour ça que je peux pas m'en débarrasser juste comme ça, parce que je me rappelle l'avoir jeté, le balai. Par contre, c'est cool que on puisse le récupérer comme ça. Donc oui. C'est là pour acheter du bois traité, à la base. Ça fait mal au porte-monnaie. Mais... ça par contre, ça va faire du bien. L'équipement augmenté au meilleur stade. Enfin, l'équipement en tissu en tout cas. Parce que bon, en vrai, est-ce que ça aurait été un peu plus intéressant de partir sur les autres équipements? Parce qu'à part l'équipement en tissu, il y a l'équipement en fer. Et l'équipement en acier. Alors c'était quoi déjà la différence? L'équipement en tissu donne un peu plus de vitesse. Enfin, donne de la vitesse. Mais en contrepartie, ça donne un peu moins de PV. L'équipement en acier, c'est l'inverse. Ça ralentit, par contre ça donne plus de PV. Et puis... l'équipement en fer, c'est l'entre-deux, parce que du coup, ça donne bonus en PV. Par contre, ça ne ralentit pas, ça n'accélère pas non plus. Donc, c'est un compromis entre les deux. Ok. On va aller enchanter ça tout de suite. Oui, je sais, Eris, tu as des améliorations pour moi. Des enchantements. Oui. Ça coûte cher, tes enchantements. Profite, parce que je te paierai pas ça une deuxième fois. Ça devrait beaucoup aider pour le donjon. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre, Andrei? Eh ben c'est super ça, je peux déjà améliorer l'épée. Il y a un chat qui était en mode ne me tue pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se battre encore. Qu'est-ce que ça peut être Drama Queen. Un chat. Le nôtre en particulier. Alors. C'est quoi cet objet? Je sais pas, mais j'en ai déjà un autre. Une espèce de batterie.
c'est ça. Batterie cellule triple. Ah bah c'est super. Il en manque juste un. Il en manque juste un pour améliorer l'arc. Par contre, 45 000 et... Il coûte combien à acheter là? Hmm. 512 000. Ah oui. Donc là, même si je réussis à choper la dernière batterie qui manque, c'est l'argent qui va pas suivre là. Après, l'argent ça se refait vite, mais. Dans tous les cas, on est passé de 6 objets dans la liste de souhaits à 2. Pourquoi 2? La lance tonnerre. Je m'étais enregistré la lance tonnerre aussi, mais. Est-ce que je vais m'en servir? Bon, priorité à l'arc quand même pour l'instant, parce que. Ils mettent plutôt bien l'arc en ce moment. Par contre, ça, je veux bien acheter l'enchantement. Voilà, avec tout ça, on devrait être pas mal. Ok, ensuite, aujourd'hui, il va falloir rester à la boutique. On va se faire une petite journée de vente. Et bien sûr, je vais ranger le balai dans le coffre à équipement. Voilà. Il a tout à fait sa place dans le coffre à équipement. Et pourquoi je l'avais jeté d'ailleurs? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est parce qu'il n'y avait plus de place dans les coffres. Je reprends la batterie, je reprends le métal conducteur. Je les range ici dans la liste de souhaits. Allez. Et bah c'est parti pour tout vendre. C'est potentiellement une grosse journée ça. Outil magnétique. Rock de tungstène. Fer à souder. Oui. Il y a tous les objets qui ont récupéré leur popularité là. Je vais le faire en plusieurs fois. Je vais d'abord vendre les stacks complets. Sauf la pierre du désert parce qu'il la faut pour la quête. Bon, j'ai la pierre du désert directement. Ensuite, les câbles. Je vais essayer de voir à combien ça se vend. Les mèches d'or. Ça a l'air pas ouf, mais on va voir. On va voir combien est-ce qu'on peut en tirer. Ok. Là, j'ai tous les objets que je vends. Bouteille d'argon. Alors. L'adapteur AC s'est vendu à 30 000. L'unité d'alimentation s'est vendue à 26 000. Est-ce que la bouteille d'argon pourrait se vendre à 25 000. Ça me paraît un peu compliqué, mais... Je vais mettre à 24 000. Ensuite, moteur thermomagnétique. On peut en tirer au moins 12 000. Et on va en profiter. Ouais. 12 000. L'outil magnétique. Ça, je crois qu'il faut... Ah non, c'est bon. J'avais réussi à fixer un prix dessus. Donc, 7 200, c'est un prix qui commence à être
Et Russe, oui. 7200, c'est un prix qui commence à être un peu... pas ouf pour les clients. D'après les clients. Mais je vais le mettre à 7700. Parce que c'est un c'est en popularité élevée. Ok. Ensuite. 7700 pour l'outil magnétique. Ouais, ça me paraît correct. Rock de tungstène. 6800. C'était un prix qui fait sourire, donc. Enfin, qui rend heureux, en tout cas. Donc, on va l'augmenter un peu. Tout le village, là, ils se prennent une inflation. Au bout d'un moment, faut arrêter de... foutre un peu de ma gueule, parce que, bon... Encore une fois, on le rappelle, hein, c'est pas... les petits pégus du village qui vont risquer leur vie à ramper dans les donjons pour ramener tous ces objets. Donc, à dire qu'il y a une petite taxe sur la main d'œuvre, quoi. Le fer à souder. 6500. Là, il est à 7400. Donc, c'est qu'il a pu se vendre une première fois à ce prix-là. On va le laisser à ce prix-là. Alors, conduit pour fluide, 3800. Je vais le mettre à 4200. Batterie cassée. Ça s'est pas vendu à 3799. Pourquoi j'ai mis à ce prix-là? Pourquoi je n'ai pas mis un prix par rond? Ça m'étonne. Régler un truc parce que j'entends pas très bien. Ah non, déjà réglé correctement. Ok, rue Odouni. On en est à là. Mmh. Mais je dors. Ça a l'air pas ouf, ça. Je vais le mettre à 2000, mais... vraiment un prix... je doute que ça parte à ce prix-là. Et les câbles. Les câbles, ça, c'est un nouvel objet. C'est pas loin des mèches d'or. Je vais les mettre à 4000. Voilà. Osef, le bac à promo. J'ai envie de dire. 2 secondes. Je reviens tout de suite. Mais il me restait une clémentine. Ah oui. Et on va ouvrir ça. On va manger ça. D'instant ASMR, manger... appeler une clémentine. Et puis, oui, manger une clémentine. Et qui, clémentine? Yamir! Hein, pardon? Bien. Heureux. Et alors
repasse sur cet écran. Et je repasse sur le jeu. Sur le jeu. Regardez-moi ce bel équipement qui brille. Si c'est pas beau. Allez. On ouvre les portes de la boutique. Déjà le petit vieux, il est là pour récupérer. Ce qu'il a demandé. Le vieux Zénon. Alors c'est comment ce prix? Il aime pas. 7000. C'est trop cher. 3500 peut-être. C'est comment ce prix là? Non. 3800 c'est trop bas. Et bah tu partiras pas avec. Non. Cet objet il va se prendre. Une petite inflation. Pas grand chose. C'est la crise. Ok. 7400. C'est un peu beaucoup. On va le mettre à 6000. Mmh, 6000, non. 6000, 6000. 6500, c'est trop. Ok. Merci. Mince. Mais. J'ai pas réussi à faire fuir l'oiseau. Bah mince alors. Ok. Et on a un cambrioleur. Ah. Trop cher ce prix. D'accord. Je vais le mettre à 6100. Alors le voleur c'est bon. L'assistance en est occupée. Pratique quand même. C'est pour ça qu'ils ont mis l'assistant du coup, parce que vu la taille du magasin, on peut pas courir non plus, surtout après les voleurs, donc c'est pas mal. Ah, ça défile très vite en caisse là. Ah, ça du coup c'est trop cher. 4300. 4100 peut-être. Peut-être meilleur comme prix ça. Et ça. La bouteille d'argon. Je crois que personne n'a été regardé ça. Trop cher encore. Ok. J'ai compris. 3900. Ah ça y est. 24000 c'est trop cher pour la bouteille d'argon. On va mettre 19000. On va même se permettre de le mettre à 20 000 plutôt, parce que vu que c'est en popularité haute, malgré tout, c'est bon. Il reste. Il reste la bouteille d'argon et les câbles. Alors, les câbles. Les câbles, 4 000, c'est trop cher. On va laisser à 3500. Trop cher. Trop cher et moyen cher. Ok. 20 000 c'est trop cher, même en popularité haute. Je vais mettre à 18 000. Par contre, si vous le prenez toujours pas à ce prix là, il y a un petit foutage de gueule quand même. Alors, racines préservées. Pour dans 3 jours, il veut des racines préservées. 5 racines préservées. Je vais dire oui, mais je promets rien parce que c'est des objets qui s'obtiennent dans la forêt quand même et j'ai pas du tout envie de revenir dans la forêt. C'est le donjon que j'ai le moins aimé quand même. Hein. Et ils le mettent en deuxième. Dans la forêt, là, ça gratte. Alors, lui, il veut tube électronique 5 fois dans 4 jours. On dit oui. Et lui, roc de tungstène. Ah bah c'est con.
je viens de les vendre. Bah bravo. Ah bah c'est con. Ah, ça y est. La bouteille d'argon est partie, mais par contre c'est dommage, c'est un client riche qui l'a pris. Et je l'ai mis au prix normal. Un peu le seum en vrai. J'ai baissé le prix. Tout ça pour qu'au final c'est un client riche qui vienne l'acheter. Oh, l'argent qui part à la fenêtre là, on se couvre. Oh. J'aurais bien voulu être en dessous de... En dessous de cette fenêtre par où on balance tout l'argent. Et je dis pas non. Hein. Ok, bon. Grâce à tout ça, on a pu se refaire une petite santé. Il a un cierre. Ouais. Je peux acheter la batterie. Oula. Ça en remet. Rien du tout parce que le mec il est pas à sa boutique quand il fait nuit donc décidément. Oui, faut pas que j'oublie aussi de passer voir le banquier. On est quel jour là? On est le 24. Eh ben, on a deux jours complètement tranquille là, pépère, sans quête ni rien à faire. Ok. Donc oui, faudra passer le 27, faudra passer voir le banquier. D'accord. Déjà, avec l'argent qu'on vient d'obtenir, j'ai enchanté ce qui me reste à enchanter. C'est bon. J'ai une épée qui est pas dégueu du tout. Et après, est-ce que... Ça se tente en vrai. J'ai essayé de repartir dans le donjon. Le quatrième donjon avec tout cet équipement du coup. Je pensais pas finir d'améliorer tout l'équipement ce soir par contre. Ça s'est fait à une vitesse là. Depuis que j'ai pensé à aller voir le... The vendeur qui vend... qui peut vendre les matériaux qui me manquent. Ok. C'est pas mal. Va falloir recrafter des potions. Ok. Et ça part en donjon. Par contre, je vais juste décaler l'assiette parce que... C'est pas que ça gêne juste devant moi, entre le micro et la manette, mais... Ça gêne. Voilà. Donc, le donjon. Le quatrième donjon cette fois. Ok. C'est quoi cette arnaque? Pourquoi il meurt pas en un coup là de... Le mob. Quelle est cette arnaque? J'ai pas payé cette arme pour que ça ne one-shot pas. Non mais... Ok. Un passage vers le donjon de la forêt. Lol. Vas-y, on rigole. Et ouais, ça se scale vraiment sur le donjon depuis lequel on y accède. Hein, parce que là, avec l'équipement que j'ai, là, il y avait
Il y avait juste zéro logique à ce qu'il ne meure pas en un seul coup. Donc je vois que ça comme explication. Ah, un étage secret. Mais j'avais dit que les étages secrets dans ce donjon en particulier... Ah, peut-être éviter. C'est pas impossible, mais... éviter. Non ! L'épée. Ok, par contre, on sent bien la différence de... d'armure, là. Je perds moins de PV. Enfin, si, je perds autant de PV, mais... j'en ai un peu plus au maximum. Ah si, quand même. Ça fait du dégât. C'est surtout le troisième coup du combo qui fait le plus de dégâts. Ça fait presque 1000... 1000 PV en moins pour la cible. 996, ouais. Ah, je suis tombé dans le vide. J'ai laissé tomber plusieurs objets dans le vide. À moi. Et à moi. Aïe, oui aïe aïe aïe. Oui. Aïe aïe aïe. Ouais, lui faut le tuer en priorité. Déjà ? Bah écoute, vas-y hein, on va le faire. Non, je veux utiliser l'épée et pas là. Ah bah voilà, il meurt un peu plus vite avec avec cette nouvelle arme. Par contre, j'ai encaissé aussi. Hein. J'ai encaissé. Ok. Qu'est-ce qu'on jette? Les pétales. Ça sert à rien. Ok, la chair de plante, ça sert à rien. L'essence de lumière, on jette aussi. Le mercure, on jette. Et on ramasse ce qu'il y a par terre. Voilà. Est-ce que on va voir au moins le dernier étage du donjon là. Peut-être pas avec le nombre de PV que je perds là, bêtement. Mais bon. Une note. L'étrange énergie bleue de ce donjon émane de partout, même des murs. Elle peut traverser le fer, mais le bois semble la bloquer. Ok. Lance d'entraînement. On va vendre hein, parce que bon. Ah! Les batteries cellules triples. Ah bah voilà. Pas besoin d'attendre que The Vendeur passe en ville. Enfin, que The Vendeur daigne tenir sa boutique. Que je lui ai gracieusement payé en plus. C'est limite ingrat quand même. Hein. Vu le prix que ça a coûté de lui ouvrir son échoppe.
montre des choses quand même, écoute. Je sais pas. Tiens, la boutique peut-être? Non? Bon bah. Éclat de cristaux. Ça c'est à vendre. Oui, c'est à vendre. Et oui. Pistolet de soudage. Ça a pas l'air d'être un petit truc, ça, oui. C'est juste en dessous de la bouteille d'argon. Film plastique. Ouais, on va vendre le film plastique. C'est pas très... Pas très... cher. Ok. Un petit soin. Un autre petit soin. On passe sur l'épée. On repasse sur l'arc. Ça, on aime bien. Ça, j'aime bien. Les salles comme ça où on a juste un blob au milieu et qui peut même pas atteindre. Ça, c'est super. Aïe. Arrière. Toi, je vais pas te rater. Merci. Alors. Ouh. Il y a des objets qui peuvent se cacher comme ça dans les décors. Intéressant. Le bois traité, ça coûtait combien ça? C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je jette? Condensateur d'énergie. Je jette le condensateur d'énergie au profit du bois traité. Merci. C'est bon. Morue. Ah, par contre, je peux pas. J'ai plus de place pour ramasser là. Merci. J'ai plus de place pour ramasser là. C'est quoi cet objet? Du mercure. Oh, bah c'est bon. Ça restait par terre ça. Alors, ah, se pourrait-il que ça soit un coffre magique? Oui, un coffre magique. C'est génial. Alors, juste, je reprends mes potions, s'il vous plaît. Mais le reste, vous pouvez prendre. On se revoit à la maison. Le premier coffre magique de la soirée, quand même. Hein. Donc là, je vais pouvoir aller ramasser tout ce que j'ai laissé. En mode petit poussé là. On détruit le décor. Ça a l'air d'être rare. Je détruis le décor, mais ça a l'air d'être rare après le fait que ça loot ou pas. Ok. C'est mérité. Allez. Oui, donc là, faut tuer à tout prix le moteur en premier. Parce que sinon, il ramène ses potes. Aïe. J'en casse pas mal quand même. Heureusement que j'ai amélioré mon équipement. Un anti-maléfice. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Des batteries. Ok. Et un campement. Oui, qu'est-ce qu'il fallait faire dans le campement? Déjà lire ça.
Les gardiens. À ne pas confondre avec les gardes. Non. Garde égale petit. Gardien égale gigantesque. D'immenses créatures au fond des donjons. Gardant d'immenses coffres. J'ai pas encore réussi à m'en approcher. Mais. Pas de mais. Personne n'a encore réussi à vrai dire. Si, moi. Personne n'a encore vu le gardien du désert. Si, moi. Ou le techno-gardien. Pas moi. C'est un honneur qui me revient. Un point pour Pete le fou. Je me demande quel trésor se cache là-bas. L'étrange créature orange ne semble s'intéresser qu'au gardien. L'étrange créature orange. Qui s'intéresse au gardien. Pardon ? Et oui, il y avait quelque chose à faire ici, mais... Je ne sais quoi. Il se passe rien pourtant. Bon, tant pis. Je sais plus c'était quoi qu'il fallait faire en vrai dans le... La salle du campement. Il y avait une histoire avec des artefacts à sacrifier ou un truc du genre. À moins que ça soit juste bidon et c'est juste dit comme ça dans le lore et qu'au final il se passe rien, mais... Ah ! Étage secret. Un étage secret avec le... voyageur qui va pas tarder à apparaître. Ouais. Le voyageur, il va apparaître. Donc il va falloir... Ouais. Il va falloir que j'aille dans l'étage secret. Parce que là... Ah tiens. Mais j'ai même pas fait les autres salles. Comment ça se fait qu'il veuille déjà apparaître le voyageur là? Pourquoi? Pourquoi il veut déjà apparaître? Bref, il est là. Mince. On va rentrer. On va rentrer. Allez. On va rentrer parce que là... Hop. Oui. Pour l'instant, on ne sera pas allé au-delà de l'étage 2. Hein. De ce donjon. Ok. Sauvegarde. C'est bon. C'est bon, ça a sauvegardé. Deux armes légendaires en plus, bim. GG. Ouais. Nous, en quelque sorte, on aura réussi également à obtenir une arme peut-être pas légendaire, mais pas dégueu, on va dire. L'équipement à fond, enfin, l'armure à fond, l'arme à fond, il manque juste à maxer l'arc également. Que je peux peut-être déjà faire du coup avec... Avec les batteries que je viens de choper. Ah mais non. Je vais pas le faire maintenant parce que du coup il n'y aura pas la sauvegarde. Ok. Et ben on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir. On reprendra ça semaine prochaine. C'est une bonne session ce soir. C'est une bonne session.
bien avancer l'équipement d'un coup comme ça sur la fin. On est mardi. Oui, on est mardi, mais... Non, déjà fini la semaine, non, mais... On a d'autres jeux aussi. On a d'autres jeux aussi sur le reste de la semaine, donc... Moonlighter, on reprendra... On reprendra la semaine d'après. Comment ça, t'as pas envie de revoir Ragnar? Je comprends pas. Comment ça se fait? Pourquoi? Dis-moi. Dis-moi. Alors. On va éteindre la musique du jeu. Remettre un peu de musique pour finir là. En vrai, tu viens de finir son chapitre, c'est pas de suite sa suite. Enfin, je vais te dire, c'est quel niveau son prochain. Il fait l'autre aussi. Qui c'est à l'autre? Non, bah, l'autre chapitre. Ah oui, oui, je vais voir c'est quel level, mais il me semble, t'es sûr, c'est oui? Il me semble, hein. Non, le chapitre 2 d'Agnéa qu'on vient de faire, là, c'était level 18, justement, mais elle est où, Agnéa? C'est oui. Je crois que tu viens de prendre rendez-vous avec notre petite Agnéa, là. Agnéa, chapitre 3, ça se passe à Trop Hop. Sur l'île de Totoar. Donc, retour chez Hochette, mais pour l'histoire d'Agnéa. Niveau recommandé, 20. Et bim. Qu'est-ce qui me semblait. Ah oui, je me souviens ce passage. Bon, j'imagine que c'est un passage assez court, du coup. C'est peut-être un passage assez court, horrible comme les autres. Ok. Bon bah. Mais elle est mignonne. J'ai éteint la musique du jeu, mais j'ai même pas remis la musique. Allez. De toute façon, elle est conne surtout. Oh. Ava. Elle est mignonne. Après, dis-toi. Plus vite on en aura fini avec elle, plus vite tu ne la verras plus. Ainsi, tu vas la revoir quand même, parce que bon... J'y tiens ma danseuse dans mon équipe pour le coup. Mais oui, après là ce qui me chiffonne un peu, c'est que je m'y suis un peu mal pris et il y a eu beaucoup d'écart entre mes personnages là. Inutile, elle est naze, lol. Oui, mais bon, est-ce que je vais la jouer pour son utilité? Elle a des atouts, hein, faut pas oublier. Pas oublier. Allez, on va s'arrêter là. On se retrouve demain soir pour continuer The Quarry. Donc chapitre 3. Je sais plus avec qui on va reprendre l'histoire, mais... Super attaque, pour de nichon. Elle sait pas. Elle a des atouts, mais elle les connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Il a des cheveux. Allez, sur ce, je vous dis bonne nuit. Merci d'être passé. Et on se retrouve demain soir. Salut.